Monsieur le Président, au cours des prochains jours, le controversé humoriste français Dieudonné doit amorcer une tournée au Québec. Plusieurs politiciens, dont le maire de Montréal, ne souhaitent pas sa venue. Et en fin de semaine, la ministre du Patrimoine laissait sous-entendre que c'est l'agent frontalier en poste qui allait décider du sort de Dieudonné. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Sécurité publique peut nous dire sur quels critères les agents frontaliers vont se baser pour accepter ou non cet humoriste au pays? Mr. Speaker, our government celebrates Canadian diversity as a tremendous source of strength, and the Jewish community, of course, in Canada is an integral part of that. We will always stand firm against intolerance and hate as we continue to build an open, inclusive society. With respect to the admissibility of a particular individual, border security officers make those determinations on the basis of the facts at ports of entry, accordance to Canadian law. And I would point out that past criminality is a factor that is certainly taken into account.